Alors attention, ici, hein, c'est un endroit très particulier, il y a une sortie d'étalon. Hein. Ce n'est pas des poids lourds, ce sont des sorties d'étalon. Alors peut-être que je dois me sentir concerné, que sais-je. En tout cas, c'est le moment de faire une saillie fulgurante dans cette route des étalons qui nous amène juste derrière au haras du Tenet. Nous sommes à deux pas de Deauville. Il y a ici la superstar Orpen, quatre étalons au total, et c'est Giulio Riva, le patron, qui nous les présente maintenant. Voilà, Giulio Riva et ses lunettes de soleil, bien sûr indispensables en Normandie. Giulio, la vedette du haras du Tenet, une vedette française, c'est bien sûr Orpen. Quelle a été la satisfaction, Giulio, de voir les succès d'Orpen, avec Vorda évidemment, et les autres en 2013? Orpen, c'était formidable, comme on a vu dans tous les top étalons pour deux ans, avec Vorda, avec Ombrage en Italie, qui c'est la top deux ans italienne. Et des autres chevaux qu'ils ont gagné, Gengis, il a gagné Delisted. Et lui, il a beaucoup de chevaux, et là, et pratiquement, il est plein de juments. Et on va arrêter, parce que le cheval, il va être avec plein, il va faire autour de 120 juments. Oui. Et alors, on va arrêter, parce que c'est pas comme des fois, il a des étalons qui font 140 juments au plus, mais lui il vient d'Argentine et en Argentine il a fait 120 juments. Alors on va l'arrêter, heureusement tout marche bien. Et Orpen est très très bon et bien. Et nous on a des pouliches, des poulinières d'Orpen aussi au Hara qui ont mis à l'entraînement. Un fils d'Orpen, Giulio, est arrivé au haras du Tenet, c'est Blue Constellation. Alors peut-être que les éleveurs français ne le connaissent pas très bien, ce Blue Constellation. Pourquoi avoir recruté ce fils de Orpen? Parce que Blue Constellation, c'est un très beau poulain physiquement. Et lui, il était un champion parce qu'il était pratiquement en vaincu à deux ans. Et il est seulement deuxième en son début. Et après, il a gagné l'Isted, il a gagné Group 3 en Italie, il a gagné le prix des maisons Lafitte, 6 longueurs, devant les vainqueurs des Group 1. Et après, malheureusement, il a eu des accidents en 3 ans. Mais le cheval est propre et tout. Et pour faire les talons, un fils d'Orpen, je pense, avec un bon papier, en tout cas maternel aussi, il peut faire les talons et pour faire des chevaux de vitesse, parce que même lui c'est un cheval de vitesse comme son père. Et alors c'est un beau cheval à avoir. La mère c'est par Celtic Wing, c'est Damister, Mister Prospector, et je pense que ça peut être intéressant. Un fils de Galiléo, il s'appelle Sima de Triomphe, un Galiléo gris, ce n'est pas très fréquent, et c'est le croisement Galiléo-Sœur Denville. Où est-ce qu'on en est avec Sima de Triomphe? Il est en 3e, 4e saison? Non, les Sima ils vont être deux ans cette année. Et il fait des très beaux produits. Même lui, il fait la saison en Argentine. Et il a fait même lui autour de 120 juments en Argentine. Et ces poulains, ils sont très beaux à voir en modèle. Ils sont tout bais, il n'y en a pas de gris. Mais son gris, ça vient de sa deuxième mère, qui c'est Crystal Palace. Crystal Palace, il était gris. Sinon, le croisement, c'est parfait parce que c'est Galiléo avec Danil, comme Frankel. Le cheval, il est très beau, il saillit très bien, même s'il saillit 120 juments en Argentine, il est bien. Quand il arrive ici, comme Orpen, il n'a pas de problème. J'espère qu'il va s'annoncer bien avec les premiers produits qui vont courir. Oui, une année cruciale, évidemment, pour lui. Un étalon confirmé. Alors, le haras du Tenet a déjà importé Orpen, bien sûr, a déjà importé Dr. Fong. Maintenant, c'est Desert Sprints. Acheter un étalon d'âge confirmé, est-ce une spécialité du Tenet? Pourquoi le choix de Desert Sprints? Parce que Desert Sprints, c'est un peu particulier. C'est un beau cheval. Et Desert Sprints, c'est le seul Green Desert qu'il y a en France. Et il a produit des gagnants des groupes 1. Lui, tout le monde, il sait qu'il a gagné les 4 groupes 1. C'est peut-être un cheval intéressant, comme il est arrivé, ça fait deux ans et demi, Desert Style a saillé beaucoup de juments et c'est bien passé. Et Desert Prince, c'est peut-être la même chose. Et après, je pense que le cheval, il est, même son âge, il est très beau, tranquille, un modèle et tout. Et ça peut être bien.
Et en plus, nous, on a toujours, pour finir, on a toujours Gentle Wave. Et Gentle Wave, c'est toujours à nous, mais il est parti au sud-ouest, elle est à Pau. Et il paraît qu'il va très bien, le cheval. Ils m'ont déjà téléphoné, beaucoup de monde, et que le cheval, ça va marcher très bien à Pau, parce qu'on a dit qu'on va un peu changer. Et en tout cas, Gentle Wave, c'est toujours à nous, et il est à Pau. Pour faire de l'obstacle. Merci beaucoup. Non ? Pas exactement l'obstacle, il peut faire même du plat encore. En tout cas, à Pau, on peut imaginer qu'il aura une clientèle, évidemment, du sud-ouest vers l'obstacle. Merci beaucoup, Giulio.